Alors après un Elzan brûlé et un baie, place aux grilles, les grilles au pouvoir. Exactement. Ouais, Martaline, c'est notre vedette, hein, parce que c'est... Bon, c'est un cheval qui est plein, qui a un maximum de jument depuis son entrée au haras, qui a réussi en plat et en obstacle. Bon, l'an dernier, en plat, il a eu des très très bons 2 ans. Il est populaire partout, en Irlande, en Angleterre, en France. C'est un cheval formidable, parce qu'il donne du modèle, il donne du chic, il donne des bons chevaux en obstacle, il donne de la vitesse. Il sait tout faire, quoi. Ces produits se vendent bien aussi sur les rings. Ils se vendent bien, ils sont beaux, ils ont toujours des belles têtes, ils ont de l'os, donc ils se vendent bien et bon, c'est vrai que les Anglais en sont fous. Alors ils se vendent beaucoup, malheureusement, dès qu'il y a un bon Martaline qui court en France, ils partent là-bas parce qu'ils sont, il est très convoité. Mais bon, c'est un étalon formidable. On a beaucoup de chance de l'avoir. D'ailleurs, je voulais lui mettre une jument pour cette année, mais il est complet. Il est complet, archi complet, oui. On tentera la chance l'an prochain. Ben voilà. Et je crois que bon, il y a pas mal de gens qui se sont inscrits pour l'an prochain d'ailleurs. Ben, l'année dernière, il a fait 150 juments. Cette année, on voulait raisonnablement, on s'est dit, oh, il faudrait qu'on en fasse un peu moins parce qu'il a 15 ans, qu'on voudrait qu'il dure. On avait dit 120, on est à 130. Et à 130, on est là, on arrête. Alors, voilà, c'est vrai qu'on s'inscrit pour 2015. Rendez-vous en 2015 pour voilà. Martaline. Voilà. Merci à vous.